Peut-être sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour du côté de Suisse pour retrouver un international congolais qui fait également la fierté de ce pays. International, je l'ai dit, de son état, un mois avant de reprendre les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. La République démocratique du Congo a besoin de tous ses fils qui sont en forme pour pouvoir mieux le représenter, ainsi batailler dur pour ces deux journées qui restent et amener ainsi le pays au Cameroun. Et donc Elia Meshak est parmi ces internationaux dont la République démocratique du Congo peut compter, après Chancel Mbemba qui s'est bien comporté avec son club le FC Porto devant la vieille dame, la Juventus de Turin, battant ainsi l'équipe de Cristiano Ronaldo par 2-1. Chancel Mbemba qui a maintenu Cristiano Ronaldo ainsi qu'Alvaro Morata sous contrôle. Ces derniers ne se sont procurés aucune occasion et n'en ont conclu aucune, bien évidemment. Elia Meshak également devait batailler dur en 8e de finale de l'Europa League avec son club, le Young Boys de Berne, et face à un adversaire de taille, un adversaire de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen. Tout avait bien démarré pourtant pour l'équipe de Elia Meshak, puisque contre toute attente, cette équipe a eu à surprendre tout le monde, à déjouer les pronostics et mener déjà en première période le club allemand par 3-0 avec un but de Elia Meshak, le troisième but d'ailleurs, un but inscrit à la 44e minute de jeu à la suite d'une bourde du défenseur de Bayer Leverkusen, qui a profité à l'international congolais Elia Meshak, qui l'avait conclu de la plus belle des façons. Malheureusement, face à un club allemand, et les Allemands, on connaît leur mentalité, on sait ils ont un mental très très fort, ces derniers ne lâchent rien jusqu'au dernier coup de sifflet final, et ça a été le cas avec Bayer Leverkusen qui n'a rien lâché, pardon. Au contraire, c'est Young Boys et les Elia Meshak qui avaient commencé à reculer. Et finalement, Bayer Leverkusen les a rejoints au score 3-0 partout. Le match était devenu compliqué pour l'équipe de Elia Meshak. Mais heureusement pour eux, le 4e but sera tout de même inscrit. Et ce qui permettra à Young Boys de sauver ce match en battant ainsi le club allemand de Bayer Leverkusen. Une avance d'un 1-0 avec des buts marqués. Beaucoup, en tout cas, qui ont été inscrits, au moins 7 buts. C'est vrai que ce n'est pas une très très belle avance, mais une avance quand même. Et le match retour, tout se jouera donc sur les 90 minutes lors du match retour. Ce sera difficile, certes compliqué, mais pas impossible. Et bien sûr, Elia Meshak y croit. Et Elia Meshak qui n'a pas manqué, comme à son habitude, après chaque match, de publier quelque chose sur sa page Facebook. Et ce que j'ai aimé cette fois-ci, c'est que Elia Meshak a publié en Lingala, c'est dire qu'il était très très ému de participer en tout cas à la victoire de son club, le Young Boys. Et tant mieux pour nous les Congolais, parce qu'on attend beaucoup de ce joueur aussi, qu'il soit en forme jusqu'au mois de mars lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et Elia Meshak, sur sa page Facebook, bien évidemment, Meshak Elia, d'écrire UEFA Europa League, ya lobby ezalaki moto makasi, mais tolakisi pe ke tozali mibali, na sepeli kotia mongete moko. BSC Young Boys Ezwa Elonga. Voilà ce qu'a écrit Elia Meshak en français pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Elia Meshak a dit: hier c'était très très chaud, vraiment très chaud, mais nous avons démontré que nous étions aussi des hommes. Je suis très très content d'avoir inscrit un but qui a permis en tout cas à mon équipe Young Boys d'avoir la victoire. Bravo à Elia Meshak qui continue en tout cas
vers sa progression hein, avec cette équipe suisse. Hein. Lui qui est un ancien du tout-puissant Mazembe, venu tout droit de Lubumbashi et qui a atterri en tout cas en première division suisse. Il se comporte plutôt bien de ce côté-là. Il en est, je pense, à son troisième but, si je ne me trompe pas, pour cette saison, hein, sauf erreur de ma part. Et Elia Meshak continue, hein, comme je l'ai dit, sa progression et nous avons besoin justement de ses qualités. Et c'est un bon ailier qui sait aussi marquer des buts et qui est un bon passeur aussi. Hein. Je pense que Ntsengi Biembe aura bien besoin de l'apport d'Elia Meshak pour les deux matchs qui nous restent hein, pour tenter de nous qualifier pour la CAN Cameroun 2021. Ce sera déjà entre le 22 et le 30 mars prochain que la République démocratique du Congo va devoir batailler dur d'abord au Gabon pour défier les Panthères du Gabon avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Nous avons des qualités de pouvoir faire douter cette équipe gabonaise et pourquoi pas ramener un bon résultat ici au pays en attendant le match de la dernière journée qui sera une finale pour nous, un match qui va se jouer contre la Gambie. Bravo à Elia Meshak, il n'y en a pas beaucoup des Congolais qui évoluent à ce niveau de la compétition. Il faut noter aussi que pour Elia Meshak, c'est pour sa toute première fois qu'il puisse jouer les huitièmes de finale de l'Europa League, hein, normal, hein, parce qu'il a débarqué il n'y a pas très longtemps à Berne, hein, dans cette équipe de Young Boys. Et Elia Meshak qui va certainement continuer à apprendre dans ce pays. Il emboîte en tout cas les pas à Chancel Mbemba et c'est tant mieux pour nous. Nous avons besoin de voir des Congolais aussi à ce niveau de compétition. C'est tellement rare hein, de voir des Congolais en Champions League ou en Europa League évoluer ainsi. Et nous sommes bien évidemment très très contents. Elia Meshak, un joueur très important, celui-là même qui a été meilleur buteur lors du championnat d'Afrique gagné par la République démocratique du Congo et meilleur joueur du reste de la compétition, est un joueur très important sur qui nous pouvons en compter pour atteindre nos objectifs. Apparemment, son moral est aussi au zénith hein, en ce moment et c'est tant mieux. Young Boys, son équipe, occupe la première place du classement au niveau du championnat suisse de première division. Félicitations à lui, mais ça a été très très chaud, hein, comme vous avez pu le remarquer. Lui-même l'a reconnu, il l'a dit, parce que vous meniez 3 buts à 0 contre une équipe allemande de Bundesliga qui n'est pas aussi en bas de classement. Bayer Leverkusen a toujours été un adversaire redoutable, même en Bundesliga. Et finalement, cet adversaire a pu les rattraper au score. Heureusement pour Young Boys, ils avaient un mental très fort qui a permis en tout cas à cette équipe d'avoir la victoire. Elia Meshak était bien évidemment titulaire pour ce match, hein, mais il avait dû quitter ses coéquipiers avant le coup de sifflet final de ce match. C'était exactement à la 74e minute. Félicitations donc à lui et à son équipe, le Young Boys de Berne. Voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous, hein, surtout en tout cas en quelques semaines de la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. On fait le point de la prestation ou de l'évolution de nos internationaux, notamment des professionnels hein, qui évoluent un peu partout en Europe, en Afrique. On a dans le Maghreb, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent également de ce côté-là. Je pense que nous pouvons espérer avoir une bonne équipe hein, qui sera constituée évidemment par le sélectionneur national Christian Ntsengi Biembe qui a déjà annoncé sa liste des présélectionnés pour préparer justement ces deux matchs qui nous restent pour aller, pour avoir en tout cas notre visa pour aller au Cameroun et disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Elia Meshak certainement fait partie de cette liste-là au vu de ses performances actuelles. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire avec votre point de vue. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV, mais n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic hein, sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle est très importante hein, car elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et surtout d'avoir accepté de partager avec nous les quelques minutes hein, de votre temps qui est si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.